N'oubliez pas, demain, matinée à 2h. Et Crac. Demain, la matinée à 2h. Écoutez, Crac, alors justement, je voulais vous dire, pas pour vous. Ah bon? Non, écoutez, Crac, j'ai vu votre numéro. Ah oui? Et vraiment, ça n'a pas marché du tout. Non. C'est parce que vous êtes tombé un mauvais soir. Ah bon? Parce que hier, ça a marché très fort, vous voyez? Et avant-hier, alors c'était le triomphe. Vraiment, les gens, oui. Seulement hier et avant-hier, j'étais dans la salle aussi. Eh bien, si vous étiez dans la salle, vous avez vu que ça n'avait pas marché non plus. Ouais. Vous êtes tous les jours dans la salle, vous, alors? Tous les jours, sauf le mardi. Le mardi, ça marche. Mais le mardi, le cirque est fermé. Si vous fermez juste le jour où ça marche... Écoutez, mon petit Crac, je vous aime bien, mais ça ne peut pas durer, vous comprenez? Vous en êtes encore au comique d'accessoires, avec toutes les choses que vous sortez de vos poches et tout ça, mais ça ne fait plus rire personne. Ça ne fait même plus rire les enfants. Ah si, ce soir, il y en a un qui arrive. Ah oui, le petit qui était derrière, là-bas. C'est un idiot. Ah bon? Ah oui. Je suis mal tombé. Eh oui, vous êtes mal tombé, que voulez-vous? Oh, cher Crac, je vais vous demander maintenant de me tendre votre carte de sécurité sociale. Oui, monsieur. Et je vais vous... Tenez. Prenez une carte au hasard. C'est bien le moment, vous croyez? Prenez une carte de sécurité sociale au hasard. Ah. 12 450. 6 802. Voilà. C'est raté. Eh oui, c'est raté. Ah, c'est raté. Ah, je rate une fois sur deux. Une fois sur deux, parce que c'est une bonne moyenne. Oui. Là, vous avez pris la mauvaise. Eh oui, ce qu'il faut, c'est tomber sur la bonne. Naturellement. Tenez, coupez, monsieur le directeur. Oh, mais dites donc, Crac, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ça a l'air de se défaire, tout ça. Non, ça c'est pas un effet, monsieur, c'est un gag. Ah, c'est un gag. Je fais ça pour amuser les gens. Je débite des kilomètres de manches. Et alors, les gens, ça les amuse beaucoup. Ah, ça les amuse, oui. Alors, je continue, oui. Et puis je m'étrangle un peu. Et puis, vous voyez, c'est tout un système. Voilà, oui. On a du mal. Voilà, tout ça. Et alors, toute la chemise vient, et puis voilà. Ah, c'est drôle, non? Oui, c'est drôle. Oui. Et vous terminez avec ça? Oui, monsieur le directeur. Eh bien, vous allez terminer ce soir, mon cher Crac. Que voulez-vous? Monsieur le directeur, je voudrais pas insister, mais un artiste comme moi... Mais c'est vous qui faites ça? Moi, non, monsieur, non. Mais c'est vous qui m'envoyez... Non, je vous demande simplement... Mais Crac, vous êtes fou. Ah, c'est rien, c'est parce que j'ai une poire ici, et alors en appuyant dessus, ça... Ah, mais enfin, Crac. Oh, pardon, monsieur. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais rien, monsieur, c'est ça simplement... Mais vous le faites exprès, alors. Mais non, monsieur, comment pouvez-vous penser dans ma situation? Vous avez laissé tomber les... Non, je vais les ramasser. Ne vous dérangez pas, monsieur. Ne vous dérangez pas. C'est vous. Oui, c'est en baissant, oui. Excusez-moi, monsieur. C'est la mécanique à lâcher. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais rien, monsieur. Mais vous le faites exprès. Mais non, monsieur. Écoutez. Monsieur. Asseyez-vous. Ne parlez pas la bouche pleine, monsieur. Asseyez-vous. Oui, monsieur. Ça ne tâche pas. Oh. Ça ne tâche pas, voyez. Encore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, c'est rien, j'ai rien, j'ai des... Oui, en appuyant dessus, tout à fait. Joyeux Noël. Donnez-moi plutôt quelque chose pour mes cheveux. Oui, tenez, prenez, j'ai un mouchoir ici. Ou celui-là, vous pouvez... Alors prenez plutôt celui-là, monsieur, si vous me permettez, je crois que... Monsieur. Crac, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Oui. Votre femme vient d'avoir un bébé. C'est un garçon, c'est un garçon. Comment se porte la mère? Elle se porte très bien, je vous félicite. Merci. Vous attendiez un enfant le soir de Noël et vous ne me l'aviez pas dit. J'osais pas, monsieur le directeur, parce que attendre un enfant un soir de Noël, ça fait prétentieux. Mais non. Mais si. Écoutez, Crac, oui. Je vous attends ici pour la matinée, demain à 2h. Vous me reprenez? Ah oui, Crac. Merci. Maintenant que je suis papa, oui. Il y a quelque chose de changé. Ah, il y a quelque chose de changé. Parce que sur le plan prix, ça va augmenter un peu. Oh. Parce que nous sommes trois maintenant avec mon fils. Vous voudriez une petite augmentation? S'il vous plaît. Eh bien, Crac, on verra ça l'année prochaine.
d'accord. Après le 1er janvier. D'accord. Mais ça recommence. Mais c'est bon, je m'excuse. C'est l'émotion, peut-être. C'est l'émotion. Quoi, c'est... Voilà. Voilà. Eh bien, Franck, ce que je vous propose, oui, c'est que pour ce soir de Noël, oui, nous allons tous allions nos amis et moi, d'accord, chez vous. Chez moi. Alors, je vous invite. Musique.